On ne veut pas que la réunion soit cassée uniquement par ta présence. Est-ce que ça, tu peux le comprendre? J'ai vu que c'était ouvert à tous les pêcheurs de thon. De thon rouge. De thon rouge, inscrit en licence. Non, attends, on va se disputer là. Serge, tu permets deux minutes. Tu es quoi? Tu es blanchi? Tu fais du thon rouge, toi? Tu es sonneur? Non, est-ce que tu es sonneur? Oui. Non, tu n'es pas sonneur, mon ami. Tu es thon blanc, tu restes thon blanc. D'accord? Est-ce que tu es inscrit sur l'Isticat? Est-ce que tu es inscrit sur l'Isticat? Les gars, pêche un peu de thon rouge, vous le savez. Mais c'est pas nous. Attends, écoute-moi. Je te trompe de sujet. On ne mange pas votre pain. Mais on s'en fout. On va rester petit. On s'en fout. Mais que tu sois petit, mais non, mais on existe. Non. Pour moi, tu n'existes pas en thon rouge. Moi, président du syndicat des thons, tu n'existes pas. Écoute-moi. Au mois de novembre. Moi, c'est clair. Ici, pour moi, tu ne rentreras pas. C'est clair et c'est net. Vous arrivez par la fenêtre et vous voulez m'enculer, mais vous êtes fou, quoi. Mais si, tu es en train de t'officialiser. Non, mais dis pas arrête. Tu es en train de t'officialiser. Moi, tu dis pas arrête, t'as compris? Toi, tu vas arrêter. Moi, j'arrête pas, moi. Non, mais vous rigolez ou quoi? Mais qu'est-ce que vous croyez que les Méditerranée, c'est de la merde? Non. C'est comme ça que vous parlez sur l'Atlantique? Mais non. Vous êtes mal barré là, bordel! Si! Tu as vu une ligne là ces derniers mois? Mais dis-moi, de quel droit tu pêches du thon rouge qui n'est pas tributé? C'est thon blanc! Vous l'avez bien dit, vous l'avez bien marqué, on ne pêchera jamais le thon rouge! Ceci étant. Ceci étant quoi? Vous pêchez dans des. Je veux dire, quelque part, le quota, c'est vrai, national, mais si on avait un quota atlantique et un quota méditerranéen, on se discuterait pas! Chacun chez soi et on serait bons amis. Mais le problème, il t'envoie à toi. Toi, t'es un employé. Moi, je te connais, c'est pour ça que je lis ce camé. Parce que je te connais, toi, t'es un employé, c'est tout. On t'envoie au casse-pipe. Et l'autre, là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il attend de voir les résultats. Si tu reçois des coups, ce qui va être le cas aujourd'hui, si tu restes ici, je te le garantis. Non, mais écoute-moi, je sais ce que je te le garantis. Faire pas... Verbaux? Ah non, ça va être plus que ça, ça va être physique. Les gens ici sont excédés. On va flinguer notre flottille, c'est la flottille de mon père. Si je t'ai fait sortir de suite pour parler, c'est pour que les gens sachent qui tu es parce qu'ils ne te connaissent pas. Sinon, ça va mal se terminer. Là, t'as des gens qui sont ici. Oh. T'as déjà 7. Mais comment les prendre là? Ils ont des crédits, on perd leur bateau. T'es un amateur à 7, il s'est pendu, mon collègue. Tu sais, les difficultés. Et toi, tu arrives là comme ça, mais oh, t'es dans le bassin méditerranéen, là. Fais comme j'ai dit, une lettre d'intention et vos statistiques et on s'occupe de ça. Écoute, je suis obligé de rentrer, excusez-moi. Allez.